Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sirène Camion Officielle. J'espère que vous vous portez au mieux et que surtout vous continuez à respecter les gestes barrières que nous devons respecter tant que le coronavirus sera toujours là. Bonjour à toute la Chine de Karine Mokondi, tous les fans de Karine Mokondi. Je suis moi-même quelqu'un qui apprécie beaucoup la baronne d'autorité et je voulais vous parler de certaines choses. D'abord, manifester mon contentement, ma joie par rapport au nouveau clip confinement de Karine Mokondi et Clark Donovan. Vous avez vu, c'est de la bombe, il n'y a rien à dire. Elle est au top. Pas encore au sommet, mais on y va. Parce que c'est une femme qui n'arrête pas d'évoluer, de surprendre, mais dans le bon sens. Donc, toutes mes félicitations à la baronne et à Clark Donovan pour le plaisir, le nouveau plaisir et la nouvelle joie à travers ce clip, à travers ce morceau qui est absolument formidable. Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore fait, à partager, liker, replay, comme je le fais moi-même. Je le regarde plusieurs fois par jour, je partage. Donc, autre chose en fait qui m'a interpellée, j'ai eu la mauvaise surprise d'apercevoir donc Dondi Angel en compagnie de l'autre, je ne vais pas citer son nom, si on va le citer, allez, Grace Mizzi, je ne vais pas dire la sexy parce que je ne vois pas ce qu'elle a de sexy elle, donc Dondi Angel en compagnie de Grace Mizzi. Ça m'a surprise. Je me suis dit, quoi? What the fuck? C'est vrai? Comme disent les Ivoiriens, franchement, Dondi Angel, tu as tapé poteau. Tapé poteau. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller te cogner là-bas? Tu as cherché dans toute la France. La seule concurrente que tu as trouvée à Karine Mokondi, c'est celle-là. Franchement, avant, quand tu étais avec Karine Mokondi, et que grâce à Karine Mokondi, on t'a connu, parce qu'avant, je ne te connaissais pas, comme beaucoup de gens, on ne connaissait pas. Karine Mokondi a fait en sorte qu'on connaisse ton nom, donc qu'on te connaisse. Tu as beaucoup parlé. Tu as beaucoup, beaucoup parlé. En t'entendant parler, on s'est dit, ah, peut-être celui-là, il a l'air d'avoir la tête sur les épaules. C'est ce qu'on espérait à ce moment-là. Quand tu étais en compagnie de Karine Mokondi et que tu t'exprimais. Tu avais l'air d'un gars qui tient la route, comme on dit. Et là, tu viens de nous prouver le niveau qui est le tien. Mais tu nous as surtout prouvé que tu n'avais rien dans la tête. En fait, il n'y a rien. Donc, dis Angel, là-dedans, c'est vide, il n'y a rien. Pourquoi tu t'es autant rabaissé? Parce que là, tu t'es rabaissé. Hein? Rabaissé et ridiculisé. Grâce Mbidi. Grâce Mbidi. Moi, j'habite dans le 14e côté Montparnasse. Il y a quelques semaines, ça fait peut-être maximum 2 mois, au grand maximum, par jour. Je suis vers chez moi, donc je vais aller à Montparnasse, donc je m'engage sur l'avenue du Maine. Face à moi, je vois une fille qui vient vers moi. Plus la fille s'approche, et plus je me rends compte que c'est grâce à une bici. Une fille, donc ce que je vous dis là, je vous jure sur la tête de mes gosses. Dieu m'est témoin. Si je mens, qu'il frappe. Voilà. C'est pour vous dire mon sérieux, le sérieux de ce que je veux dire. Plus elle s'approche, donc à un moment elle arrive à mon niveau, puis je vois concrètement que c'est grâce au baiser. Naturel, en mode normal. Moi, je croyais que c'était une star, comme elle parle beaucoup, beaucoup là.
Moi, c'est ci, moi, c'est là. Moi, je me sors qu'en vêtements de marque et tout. Maman, ce jour-là, tes vêtements de marque étaient où? Tu ressemblais limite à une clocharde. Si je mords, grâce à mon Dieu, viens faire une vidéo et jure sur la tête de ta fille que ce que j'ai dit n'est pas vrai. Tu mesures en tout temps et pour tout entre 1,50 m et 1,55 m. Physiquement, même tu es inexistante. La vidéo, ça arrange. Hein? La vidéo, ça arrange. Et les filtres, ça arrange bien aussi. Hein? Tu ressembles à rien. Comment tu as le courage d'aller te comparer à Karim Mokonzi, dit maman, si on vous met côte à côte là, hein? Même si c'est oui, comme certains disent, Maboala, maman, je préfère être encore comme Karim Mokonzi, Maboala ou pas Maboala, que comme toi, tu ressembles à rien. Donc tiens, Angel, t'avais bu quoi? T'avais fini quoi? Qu'est-ce que tu as fumé? Je suis sûre que la fille-là, elle te donne de l'argent. Elle donne de l'argent. T'es fauché à ce point-là. Au point de te rabaisser. Il y a plein de mamans dans Paris, il y a des mamans qui sont belles, qui sont valables, qui auraient pu s'occuper de toi. Mais non. Tu as quitté la partie sur grâce midi. Comme c'est la soi-disant rivale. Maman, tu n'as pas le niveau de concurrence car elle me croisait. C'est pas ton niveau, tu es trop derrière. Hein? Mais arrêtez avec vos conneries bidons là. Tu es ce qu'on appelle un fake, une tromperie, une erreur. Que du mensonge. Ce jour-là, de mes propres yeux, je l'ai constaté. Donc la baronne au calme. Continuons à la soutenir. Elle a déjà tout un public, tout un monde à elle. Voilà. C'est confirmé. Donc, continuez la suite de la promotion du single de votre baronne. Voilà. Et encore toutes mes félicitations pour le travail que Karim Mokonzi et Clark de Novaï pour le merveilleux clip qu'ils nous ont offert avec la chanson qui va avec. Ok? Voilà, donc je vous salue, abonnez-vous à ma chaîne pour ceux qui le souhaitent et portez-vous bien.